Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map l'attaque de la chose radioactive. Donc c'est un petit tuto pour vous expliquer comment incarner Elvira. Donc Elvira, donc c'est elle, vous allez voir. Voilà, c'est elle, c'est ce personnage là. Donc c'est le personnage spécial de la carte l'attaque de la chose radioactive. Donc pour l'obtenir, il vous faudra absolument finir le secret. Et donc il va falloir trouver des bons joueurs qui connaissent le secret pour pouvoir le faire avec eux. Donc avant, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait vous inviter quand on avait fini le secret. Mais là, il n'y a plus moyen de récupérer la clé des âmes, donc ça a été patché. La clé des âmes se fait directement récupérer dans la cinématique, donc voilà. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc dès que vous avez fini le secret, faites bien attention de choisir la map, hein. Donc choisis bien l'attaque de la chose radioactive, sinon ça ne fonctionnera pas. Elvira, c'est celle qu'on voit sur l'image. Voilà, vous choisissez la map. Et là, écoutez bien les touches qu'il va falloir faire. Donc c'est bas, droite, bas, gauche, haut, droite. Donc c'est une fois en bas, une fois à droite, encore une fois en bas, une fois à gauche, une fois en haut et encore une fois à droite. Donc je vous le redis, mais vous allez voir que je vais pas être assez rapide. En même temps, je vais appuyer sur les touches. Donc je fais bas, droite, bas, gauche, haut, bas, haut, droite. Ah bah si, j'étais assez rapide en fait. Donc ça va, il faut pas avoir une rapidité de ouf. Donc je vais réessayer pour voir. Donc si jamais vous faites le code et que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un petit bug. Alors si ça fonctionne pas, vous allez dans l'équipement, vous cliquez X, vous faites rond et vous réessayez le code. Donc c'est bas, droite, bas, gauche, haut, droite. Ça va, franchement, à ce rythme là, vous pouvez le faire. Donc je croyais qu'il fallait être un peu plus rapide, mais non, ça va, allez, je vais tranquille. Donc voilà, je vais vous mettre, je vais vous montrer ce qu'elle a de spécial. Elle a rien de spécial, hein, c'est juste que apparemment, elle ferait les cuts un peu plus rapidement. Donc elle pourrait tuer plus facilement des zombies en cutant. Et sinon, un nouveau dialogue quoi pendant le jeu, elle fait un dialogue différent des autres, normal, c'est un nouveau perso. Elle est très sexy, elle est assez sexy. Moi je trouve que de devant ça va, de derrière un peu moins. Et donc si vous l'incarnez, à mon avis, si vous jouez à plusieurs, c'est obligé, il y aura des gens qui tourneront autour de vous. Parce que là on voit pas, hein, on peut pas regarder entre ces gens soi-même, mais voilà quoi, il y a des petits filous. Et j'en fais partie aussi, donc voilà quoi. Donc regardez le coup de cut. Regardez comment il est. Ça va, il est quand même assez stylé, hein. Ça fait un peu du... Si vous prenez le militaire, ça ressemble un peu à du Black Ops 3. Il fait un cut comme ça, vertical comme ça. Flash, flash. Et là, ça fait... elle pointe. Donc c'est à peu près pareil que sur Black Ops. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, après il n'y a pas d'autres nouveautés. Je sais qu'il y a une carte de visite qu'il faut débloquer en finissant le secret avec justement Elvira. Donc voilà, après c'est à vous de voir si la carte de visite vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. I'm Nick, bruh.